Oui, bonjour. J'aimerais vous amener auprès de Michael. Michael a 14 ans, je l'ai connu avec sa famille à Oisem, un quartier de Lille, et il est allé en prison. J'ai réussi à le voir dans une prison absolument sinistre, mais à ce moment-là, les prisons, c'était pas vraiment le pied, je ne sais pas si ça l'est maintenant, mais nous étions en 1987, c'est un de mes premiers sujets, j'étais là avec une amie, Claudine Fort. Je crois qu'il faut aussi faire face à un autre univers qui existe dans notre société. C'est l'univers de la détresse. Il touche beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents, soit qu'ils en soient victimes, soit qu'ils trouvent là, au contraire, une raison de s'engager. Écoutez Michael raconter son histoire. Il a 14 ans, il vit dans une banlieue à Lille. Je m'appelle Michael, j'ai 14 ans. J'ai été 5 fois en prison. Je me suis fait arrêter plus de 50 fois. La première fois que tu as été arrêté, c'était pourquoi? Pour des petits vols, vol à la roulotte ou vol à l'étalage. C'est quoi vol à la roulotte? C'est vol dans les voitures, vol à les postes ou les sacs à main dans les voitures. La première fois, c'était un vol d'un sac à main dans une voiture, c'était quoi? Ouais, je m'en rappelle plus. C'était un vol à la roulotte, sûrement. Parce que je crois que j'ai commencé par ça. Et elle te fait la morale, ta mère, ou pas? Ah ouais. Quand même, ils disent, ouais, c'est peut-être que c'est sa mère qui l'envoie voler tout. N'importe quoi, c'est moi qui vais voler. Ce que tu fais, à ton avis, c'est bien ou c'est mal? Mais j'en sais rien, moi. Je suis pas. Je peux pas savoir, moi. Quand tu voles une voiture, c'est bien ou c'est mal? Oh, mais non, c'est pas bien. Pour les propriétaires, mais nous, on s'en fout. C'est pas nous, les propriétaires. Qu'est-ce que t'en penses de la juge? La juge, ta juge, qu'est-ce que t'en penses d'elle? Quoi que j'en pense? Tu trouves qu'elle est bien, qu'elle est sympa? Ouais, elle est pas méchante, en plus elle est gentille, mais elle fait son boulot, c'est normal. Quand on fait une carrière, il faut y passer par quelque chose. Bah ouais, mais. Je sais rien, moi, elle fait ce qu'elle veut. Sauf si elle croit que la prison me fait peur. Elle te fait pas peur, tu Je m'en fous, moi, d'aller. Tu n'as jamais été en prison avec des majeurs, dans la cellule? Si. Une ou deux fois. Tu peux nous raconter un peu comment? Ben, c'est même qu'avec les mineurs, ils parlent. Ils font que de parler, ils crient aux fenêtres. C'est même que nous. Et vous vous parlez entre vous? Ouais. Qu'est-ce qu'ils avaient fait les mecs, par exemple? Ben, les mecs faisaient des cambriolages, des vols de voitures. Avec les gardiens de la prison, tu parles des fois? Non. Si, ils me parlent. Quand je dois être libéré, ils me parlent. Tu vas revenir. C'est tout ce qu'ils me disent. J'en ai marre. T'en as marre? Ouais. Parce que j'ai une copine. T'as une copine? Et alors? En ce moment, elle est au commissariat. Pourquoi elle est au commissariat? Je sais pas. Tu es sûr que tu es bien? Ouais. Qu'est-ce que tu as fumé? Tu m'as fumé. J'ai pas fumé du shit. Hein. Qu'est-ce que tu as fumé? J'ai pris des petits ronds. Des pilules? C'est quoi ça, les pilules? Quoi? Qu'est-ce que c'est, les petits ronds? C'est des cachets. Pourquoi t'as pris ces petits ronds? Parce que. Monsieur l'homme politique est là, on oublie. On oublie la gauche et la droite.